Bonsoir tout le monde. Je me suis story parce que je vois que j'ai pas mal de messages sur Insta et même sur Snap concernant ma table ronde. Faut savoir que je pense que vous me connaissez maintenant. Je montre rarement mes émotions sur les réseaux sociaux. Je suis pas du genre à me plaindre, je suis pas du genre à pleurer ou à faire des bad buzz, ce genre de choses. Et pourtant, j'aurais pu le faire maintes et maintes fois. Mais c'est vrai que j'ai pas été déjà d'une éduquée comme ça. Et comme je l'ai dit dans la villa, c'est vrai que pour moi, montrer ses sentiments, montrer ses peines, c'est une marque de faiblesse. Et en faisant cette émission, je savais très bien dans quoi je mettais les pieds. Et je savais qu'il fallait que je sois un minimum vulnérable et honnête avec moi. J'ai beaucoup, beaucoup de défauts. Voilà, j'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas parfaite, je le sais très bien. Mais il y a bien y a bien une chose qu'on ne peut pas me retirer, c'est le cœur que j'ai. Même si certaines personnes veulent essayer parfois me faire douter de moi, je sais que je suis une fille qui a un grand, grand cœur. Et quand j'aime une personne, que ce soit en amitié ou en amour, je suis à 200%. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que même moi, me re-regardant, ça m'a fait un peu, ça m'a fait un peu un truc au cœur. De voir ma mère aussi s'exprimer, ça m'a fait quelque chose. Et je voulais juste vous remercier pour vos retours. Et c'est quoi cette bulle, je ne sais pas. Et voilà, donc voilà, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'avais dit que j'arrêtais la télé, hein. J'avais dit que j'arrêtais la télé, mais je voulais vraiment finir, entre guillemets, sur une bonne note, en sachant que, pas que je sais que les gens ne me connaissent pas vraiment. Les gens me jugent beaucoup par rapport aux ondes, par rapport aux réseaux sociaux. Et j'avais besoin que vous puissiez aussi connaître cette facette-là de moi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous. Merci pour le love.